T'es là? Ah bah oui, t'es là. Coucou, bonjour les amis, on se retrouve pour un nouveau Télépêche. Chez De Conac, on dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit. Et bah voilà, on a mis en place Mondial Relais. On a déjà eu beaucoup de commandes, vous en avez profité. Et c'est sûr que c'est un transporteur qui est plus long que GLS et DPD. Par contre, au niveau des tarifs, c'est beaucoup plus avantageux, hein, parce qu'on s'est envoyé 20 kg de farine pour un peu moins de 8 euros. Voilà, on vous met les tarifs dans la description de la vidéo. Hein, vous avez juste à allonger le texte, hein, en cliquant sur le petit plus qu'il y a en dessous de la vidéo. Et vous avez le tarif Mondial Relais indiqué, et c'est aussi indiqué sur notre site. Alors, voilà, on va parler produits. Alors, pour nos amis carpistes, oui, les soldes. Les soldes continuent, hein, sont valables à la fois en magasin et sur le site, et c'est valable jusqu'au 31 janvier. Alors, un produit qui est en solde, un sac à hêche de chez Prologic avec une petite trousse en plus. Là, c'est intéressant parce que c'est un sac perforé. Et pour les gens qui utilisent des bouillettes fraîches, comme moi par exemple, vous avez quand même une meilleure conservation en les laissant à l'air libre. Vous suspendez ça au niveau d'un arbre ou un pic. Et c'est quand même beaucoup mieux pour la conservation que de les enfermer. Et c'est un sac isotherme pour le transport. Voilà, un beau petit bagage de chez Prologic. Guillaume vous met les dimensions, et là vous avez le prix soldé. Ça vaut le coup, profitez-en, il nous en reste quelques-uns. C'est très simple. Une couverture de chez JRC qui est en solde, avec double épaulère à l'intérieur, des clips pour la fixer sur votre bêtière. Très très sympa. Moi j'adore ce type de produit parce que des fois mi-saison, ça évite de prendre un duvet, ou si vous avez un duvet que de saison, vous pouvez rajouter une couverture par-dessus, et là ça vous fait quelque chose de vraiment chaud si vous pêchez en ce moment. Les dimensions et le prix soldé. Hop. Et c'est vendu avec son emballage, qui est très pratique pour le transport. Hop. Voilà, voilà. Les soldes, c'est aussi des vêtements, hein. Là, vous avez un sweat de chez Shimano Tribal, très joli. Il nous en reste quelques-uns. Profitez-en, vous avez un prix solde très très sympa. Et un vêtement pour tout type de pêche, c'est bientôt l'ouverture de la truite. Un vêtement imperméable, plein de poches de chez Dame. Je ne vais pas faire le mannequin, mais avec une capuche, des poches, une poche là-haut, deux poches sur le côté. Et ça, c'est vraiment un prix super canon. Le prix solde est là. Et c'est une très très bonne affaire, parce que c'est vraiment un beau vêtement pour aller à la pêche. Hop, on va se retrouver vers les cannes. Ça me rappelle des beaux souvenirs quand j'habitais au bord de la Loire. Une canne silure de chez Daiwa. La Power Mesh. Gauthier vous met la puissance et la fiche technique. Ça, c'est une canne que vous pouvez utiliser soit pour pêcher au leurre, ou soit si vous pêchez en dérive, en bateau ou en flotte tube. C'est une canne magnifique pour pêcher le silure. En manchement renforcé, c'est un spigot, double ligature, un osic, bon, une canne de qualité Daiwa. Très rigide, très puissante, hein, puisque c'est une 100-400 grammes niveau puissance. Et puis si vous pêchez aussi, hein, les gens qui pêchent en mer, vous pouvez l'utiliser pour pêcher la mitraillette. C'est beaucoup plus léger qu'une canne en fibre. Très très belle, jolie canne pour le silure et éventuellement pour la pêche en mer. Alors il m'a dit qu'il faut expliquer ce produit. Il en a pris un pour son fils, mais c'est vrai que c'est un manche d'épuisette très sympa. Donc là, vous avez un pas de vis ici. Vous voyez? Donc là, ça permet de la bloquer à un peu plus de 2 mètres. C'est une épuisette télescopique, mais c'est une épuisette où vous pouvez avoir
trois distances. Voilà. Et ça, vous pouvez l'utiliser à la fois pour la pêche au cou et à la fois pour le carnassier. Là, ça peut vous faire une épuisette carnassier si vous pêchez du bord. Vous avez besoin de rallonger. Stack, vous avez un manche télescopique. Et de rallonger encore une fois. Ça vous fait un manche jusqu'à 3 mètres, si mes souvenirs sont bons. Et ça, une épuisette pour la pêche au cou, pour le carnassier, c'est vraiment très pratique. Et là, je remonte le pas de vis. Voilà. Un produit de chez Spro qui est très bien pensé. Alors, il n'y avait pas de solde sur ce produit, mais je vous fais un petit prix spécial télépêche. C'est vraiment très sympa. Chez Starbets, une épuisette en deux brins. En deux éléments, parce que deux brins dans le nord, ça veut dire que c'est pas bon. Une épuisette, deux éléments. Voilà. Eddie, t'es mort de rire. Voilà, si vous pêchez en bateau, c'est très pratique. Hein. Avec un manche renforcé et un petit grip au bout. Et c'est une finition. Le filet vient se fixer avec une fixation rapide. Et pour le défaire, ben, c'est très facile. Tac. Voilà, votre filet est défait. Voilà, voilà. Thibaut Gauthier. Non, c'est Guillaume. Guillaume vous met les dimensions et vous avez un prix solde. Profitez-en, c'est jusqu'au 31 janvier. Hop. Et on va finir avec un fourreau de chez Cresta. Coquet. Trois poches. Vous pouvez mettre jusqu'à facilement 6 à 8 cannes. Et c'est aussi bien pour la pêche carnassier, feeder, pêche anglaise. Un fourreau moulinet avec une poche devant pour les piques. Voilà, finition Cresta. Guillaume vous met les dimensions. Et là, vous avez un prix solde. Profitez-en. Alors ça, c'est par exemple, c'est un colis qui passe pas hein, chez Mondial Relais. Mondial Relais, c'est limité à une hauteur maximum de 1m20. Soyez pas surpris si vous voulez commander des cannes. Ça passe pas par Mondial Relais. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau Télépêche. Ciao !